Donc, je vais te montrer aujourd'hui un exercice qui te permet de t'aligner à la terre-mère et de entrer dans la joie. Très, très simple, très joyeux à faire, extraordinaire à faire, parce qu'un alignement, comme on l'entend très souvent, c'est un alignement, on va dire, oui, je m'aligne verticalement, les énergies du haut, les énergies de la terre-mère, les énergies du bas, mais il y a un alignement aussi dans l'espace-temps, dans le rythme de la terre-mère. Et donc un signe pour ne pas être aligné, c'est quand tu es toujours pressé, tu arrives en retard, tu es stressé, tu n'arrives pas à finir tes trucs ou tu les fais trop tard, alors c'est trop tard, etc., etc. Donc quand les choses deviennent difficiles, lourdes, stressantes, ouais, c'est un signe que tu n'es pas aligné. Et donc, ce que nous allons simplement faire, je te le montre, mais je vais mettre une musique d'abord. Ok. Il y a beaucoup, beaucoup à dire sur ce sujet, mais faisons cet exercice tout simple. Ok, ici. Ah, je vais mettre la caméra. Ok. On va simplement sentir le rythme ici avec des petits rebondissements des genoux. Comme ça. Ok. Ouais, donc c'est un rythme qui va assez vite. Tu vas t'imaginer le rythme comme une sorte de vibration. Ouais, tout ton corps qui vibre là-dedans. Tu te dessines un cercle devant toi, ok? Ce cercle, c'est le cercle où tu serais dans ce rythme de la terre-mère. Et mets-toi d'abord en dehors du cercle. Bien t'ancrer dans le sol, tu t'imagines ici une situation où tu sais exactement que tu n'es pas dans cet alignement de flow, ouais, dans le rythme de la terre-mère. Simplement t'imaginer comment ça se passe quand tu es en retard, quand tu fais tout trop tard, quand tu n'as jamais le temps. Tu sens pressé comme un citron, trop de choses à faire. Et maintenant, on va faire un grand pas dans le cercle. Ouais, tu t'imagines ça tout simplement. Et tu commences à sentir à travers les pieds comme une vibration, un rythme. Et tu laisses ton corps répondre à ça. Et les yeux fermés, tu sens ce rythme. Tu laisses toutes les cellules de ton corps être dans cette joie, dans ce rythme de vie. En fait, où que tu sois, sur terre, ça pulse, ce rythme de vie, il est présent. Et tu peux toujours, à n'importe quel moment de la journée, n'importe où que tu sois, te connecter à cela. Et te sentir libre, faire des mouvements plus amples, juste sentir cette vibration. Je t'invite à faire ça beaucoup plus longtemps que ce que je te le montre ici. Et quand tu as fini, tu vas fermer les pieds, fermer les mains,
tête inclinée et savoir que tu es dans ce rythme de la terre-mère. Ton être entier, ton corps entier vibre à cette vibration-là et toi tu es simplement dedans. Et ça c'est donc absolument joyeux. Et ça a quelque chose de guérisseur, ça a quelque chose de réparateur. Donc pratique cet exercice, mets-moi un commentaire, comment tu le trouves, qu'est-ce que ça te fait. Fais-le aussi longtemps que tu sens que tu as besoin, mais peut-être tu as besoin de juste quelques secondes, où que tu sois, tu vois. Tu n'as peut-être même pas besoin de musique. Une fois que tu le pratiques, ton inconscient, il met la musique tout seul, tu l'entends la musique, tu entends le rythme. Et tu peux aussi essayer de le faire sans avoir une musique, juste te connecter avec tes pieds à la terre. Le mieux, c'est encore évidemment dans la nature, hein. Les pieds sur le sol et tu sens l'énergie et tu la laisses enivrer tout ton corps. Voilà mon petit exercice pour toi aujourd'hui, j'espère que tu l'adores. En tout cas, il fait énormément de bien. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon quand tu entends ma vidéo et merci de m'avoir regardé jusqu'ici et à très bientôt.